Paul. Oh, Paul, je te parle. Assieds-toi bien, s'il te plaît. Et remets ta ceinture. Tu t'es détaché ? On y sera dans 5 minutes. Alexandre, Paul, venez voir un peu qui est là. Oncle Bill, ouais. Allez les crevettes. Ouais. Wow. Oula, choc. Esquive. Ça va, mon grand? Ouais. Vous êtes content? Eh, je suis pas venu les mains vides quand même, hein. Waouh. Et ça, c'est cadeau. Déchire. Je sais. Ouais. Voilà. Un couteau, c'est joli. C'est pas un peu dangereux ça? Non, mais vous allez voir, je vais vous apprendre à vous en servir sans se faire de mal. Ouais, faudra bien écouter Oncle Bill, hein, pour s'en servir. Aussi, bah ça s'est accroché à ça, alors ça, y a rien qui bouge, sauf la pince à épiler et le cardan. Ah, ça s'est coincé. Ouais. Attends, on va le coincer, regarde. Attends. Bon alors, et vous, ça va? Bah oui, très bien. Et toi? Ouais, super. Dis donc, ton costume il en jette, hein. Merci. T'es obligé de le porter au civil? Non, mais bon, c'est pour crâner un petit peu. Ah d'accord, ah d'accord, je vois. Non, il est superbe, vraiment superbe. Bon, tu viens boire un petit quelque chose? Ouais. Voilà, bon, peut-être on va ranger la lame maintenant. Quand même un peu dangereux, hein. Vous avez fini votre assiette, hein, les garçons, je vous préviens. C'est bien ta sœur, t'as vu? Hein? Ça rigole pas! Pour vous gaver de chips, il y a du monde. On sait qui porte la culotte. Ça, c'est ton histoire, c'est pas la mienne. Là, on a une branche bien droite, on va pouvoir faire un bâton avec. Tenez, asseyez-vous. Hop. Bon. Alors, celui-là, il est bien grand. Tiens, fais voir ton couteau. Ben, Alex, ce qui est bien, c'est qu'il a une scie sur son couteau.
ça, la scie, ça permet d'enlever, vous voyez, tous les bouts comme ça, là. Donc on va commencer par une petite entaille, comme ça, doucement, les entailles. Tu vois, là, l'entaille. Et après, comme ça, on peut y aller plus franchement. Voilà. Une fois qu'on a fait tous les bouts comme ça qui dépassent, qu'on a fait le bâton bien propre, on prend le couteau. Mais alors attention avec les couteaux. Ça se bloque dans un sens, mais pas dans le sens des doigts. Donc, jamais planté, hein. Parce que si ça se replie, aïe aïe aïe. Catastrophe. Et quand ensuite vous voulez écorcer, enlever l'écorce, faut jamais remonter comme ça dans le sens des mains. Sinon on peut se faire mal à la main. Toujours vers le bas. Voilà. C'est compris tout ça? C'est quoi les deux règles? Dis-moi. En premier, on prend la scie, mmh. On fait une petite grande coche, et après on fait plus dur. Plus fort, ouais. Et on ne plante jamais le couteau. Voilà. Il faut toujours un truc en dessous parce que ça se plie dans le sens des doigts. Et pas dans l'autre. Et après, ça risque de nous couper les doigts. Voilà. Enfin, champion, ton frère, il a tout compris. Hein. Mmh. Et si on avait trouvé une bonne branche maintenant pour faire vos bâtons à vous? Oui. Pas. Hop, dégage-toi. Mets-toi là. Je veux pas avoir de violence dans cette famille. Est-ce que c'est compris? J'ai rien fait. Si. Toi, c'est peut-être moins grave, mais tu t'amuses à le faire bisquer. Et toi, Paul, t'es pas assez malin pour laisser pisser? Regarde-moi, Paul. Regarde-moi. Desserre ses poings. Voilà. C'est bien. Bon. Vous savez quoi? Puisque vous n'êtes pas capable de jouer tous les deux, vous montez chacun de votre chambre. Je vous appellerai pour le repas. Allez! C'est vraiment dommage, hein? Alors qu'il fait encore beau, que vous pourriez jouer avec Bill? C'est vraiment dommage, hein, d'être bête à ce point. Tu viens me refermer cette porte doucement.
Ça c'est pour. Hein? Celui-là c'est pour. Okay. Tu les as comptés? Ouais, c'est bon. C'est bon. Oh, il y a les cadeaux. Ouais. Bah, ils ont maintenant. Comme vous voulez. Maintenant, ou après l'entrée, qu'est-ce que t'en penses? Bah maintenant, c'est Noël. Allez, c'est parti. Mais d'abord, suivez-moi. Il y a une petite surprise pour Paul dans le garage. Thank you.
Alors, on a du mal à suivre? Pas du tout. Ça va. Bah si, je vois qu'on se traîne un peu, là. J'aimerais t'y voir en forêt avec celui-là, là. Ah, mais t'as fait le droit de prendre ton fait tété. Après, chacun fait ses choix comme il l'entend. T'as le droit de prendre un vélo en fonte de 200 kg pour ce tour, Paul. C'est ton choix, hein. Ah, mais je l'aime bien, celui-là. C'est un autre style. J'aime bien le piloter. Mmh. Et puis c'est l'entraînement de la tortue, mon gars. Je vais m'entraîner toute l'année là-dessus. Sur cette merde. Et quand tu reviendras, je prendrai mon VTT. Et là, il restera rien de toi. Ok. Bah, moi, tu sais quoi? Moi, ce sera footing et musculation avec sac à dos chargé. Et quand on se reverra à la lutte, mec, là, il restera rien de toi. Je commence déjà par perdre cette bedaine naissante. Ma bedaine naissante. Connard. On devrait y aller là. Ouais. Allez. Tu fais attention à toi là-bas. Hein. Mm. S'il y a le moins de problèmes, tu nous appelles. T'inquiète pas. Ouais. Non, laisse, je la prends. Allez. Allez, casse-toi. Thank you.
Alors, ah ouais, les crevettes, vous voulez que je vous mouche le nez? Vas-y tonton, amène-toi. Viens, viens. Ah c'est bon ça. Hein, le sap, c'est bon. Enfoiré. À qui le tour? Bon, je vais aller me rincer moi. Oh, tu nous as maîtrisé là. Tu fais comment pour faire tomber des mecs comme ça de dos? Ah je sais pas, il y a un tas de techniques en fait. T'as des prises qui te mettent mal à l'aise et qui te permettent de contrôler l'adversaire. Tiens, vas-y. Tourne-toi. Tiens, là, par exemple. T'as la paume de la main, tu vas sous la carotide. Mais là, je vais pas qu'en arrière, tu vois, je lève en même temps. Ah, là, tu ouais. vois, t'es mal à l'aise. Ah, ouais, ouais, ouais. Et là, si j'appuie avec mon poing sur la colonne, je fais ce que je veux de toi. Ah, ouais, là. Je fais quoi, là? Je te mets par terre? Ouais. Attends, j'essaye sur toi, vas-y. Vas-y. Faut que j'apprenne. Ouais. Tranquille, ferme. La main là? Voilà, sous la carotide. Ferme. Voilà. Ça va être drôle ça. Ouais, remonte en même temps. Voilà. Ça, ah. comme ça là? Ah là, tu vois là, c'est beaucoup plus simple de. Et là, je dirige là. C'est moi qui te dirige là. Ben, voilà. Bon, après, il y a des. Après, il y a des petits freins. T'as appris où tout ça? À l'armée. À l'armée, on a appris beaucoup de techniques de corps à corps. Mais tu vois, c'est marrant parce que ça me rappelle le judo. Le judo, la différence, c'est qu'il y a des règles et... En gros, si l'adversaire respecte pas les règles, bah tu peux pas le faire tomber, tu peux pas lui faire de prise. Si le mec a pas de kimono, tu peux pas l'attraper. Il y a toutes sortes de choses qui empêchent le combat direct, tu vois. Ah, mais il faut faire attention à un judoka, il peut te surprendre. Mais bon, c'est vrai que les arts martiaux, c'est comme la boxe, des sports super codifiés. Puis bon, il y a tout un mouvement spirituel autour. Mais tu vois, à l'armée, c'est différent. À l'armée, c'est de la défense. Donc forcément, faut être efficace, tout de suite. C'est-à-dire que quand t'attrapes quelque chose, bah, faut soit l'immobiliser, soit le broyer, c'est comme ça. Vas-y, apprends-moi d'autres trucs, là. Non, non, non. Non, on va me chercher une bouteille d'eau, plutôt. J'ai soif, monsieur. Tu cherches la guerre, toi. Et faut courir aussi, hein. Ouais, j'ai pas besoin de courir, moi. Reste vigilant. Allez, on pousse, on pousse, on pousse, on pousse, on pousse. Allez, les gars, tu vois pas. Allez, 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 les gars. Allez. Ah, mais eh oui, parce que tu l'as eu direct au contrôle continu, c'est ça, ouais, 14. J'ai déjà le brevet au contrôle continu. Ouais, t'as 14 de moyenne, t'as le brevet, c'est ouais, ça. Ouais, moi, c'est pareil. 16. Ouais. Ouais, moi aussi, je l'avais au premier tour. Moi aussi. De toute façon, on pourra jamais vérifier. T'as pas le droit à l'erreur. Y a pas le droit au faux pas, les gars. Je vous le dis, au moindre faux pas, c'est terminé. D'accord, il a de la technique et tout, mais c'est la vieille école. Moi, ouais, je suis pas allé à fond. Il était commando, mec. Si on y va à deux la prochaine fois, il y aura pas de soucis. Ouais. Tu oublies qu'on est des brels, Paul. Eh, mat, à l'abordage. Hé, hey, hé hey. Ça va, les poteaux? Hé, mec.
Mais c'est la bête nageuse que t'aimes bien, ça. Ouais. Viens, on les rattrape. Ah non, mais là, on peut pas, là. Mais pourquoi? Là, je dois ramener la Rosalie dans 5 minutes. Bon, allez, c'est bon. Vas-y. Vas-y, rattrape-les. Mais non. Vas-y, allez, oh. C'est bon. Je ramène tout, moi. Je ramène mon cousin, je ramène ça. Ciao, bouge-toi. Bah oui, histoire de quand même. C'est toujours sympa, les cheveux, ça fait tout ce qu'on est. Mesdames. Bonsoir. Salut. Prenez-en de la graine. C'est comme ça qu'il faut faire avec les filles. Eh ben putain. Ça caille. T'as mis du temps. Ah merci. Alors? Ben c'est bien marré. Et vous, ça a été? Ouais. T'as conclu ou... Non, pas conclu, tu sais. On part demain, ça sert à rien. Ouais, je vois. On a juste flirté, quoi. C'est marrant. Ouais. J'aurais bien vu une semaine de vacances en plus ici, tu vois. À profiter avec tout le monde, à faire des trucs tous les deux. Ça passe vite quand même. Ça passe super vite. Bon, tu verras, la vie étudiante, c'est pas si mal. T'inquiète. Ouais. Ça change, c'est normal. C'est la vie, on évolue. Il y a encore plein de bons moments à venir. C'est que le début de la vie, mec. Tu devrais venir, mec. Je te le dis, hein, c'est hyper important. C'est là que tout se joue, la popularité, les femmes. Tu crées des liens, tu vois. Une soirée dans l'année, tu crées des liens. Tu touches les gens, tu parles avec les gens, tu danses, tu vois, y a un truc. Rien à voir avec toutes ces heures qu'on passe en classe assis à se regarder et rien se dire. Soirée d'intégration, c'est hyper important. Tu pourrais montrer un petit peu plus d'entrain quand je te parle? T'es tout mou, on dirait un mollusque. Non, vraiment. Je te le dis parce qu'on est potes, tu vois, mais je te le dis, on dirait un mollusque. Tu crois que c'est comme ça que tu vas réussir à attraper Gwen? Excuse-moi de te le... Qu'est-ce que j'ai dit? Gwen? Bah ouais, tu crois quoi? Tu crois que je l'avais pas vue? Hein? Tu passes ton temps à la regarder en classe, tu passes ton temps à la regarder dans le métro. Quand elle est pas là ou quand elle est en retard le matin, t'es dégoûté. Tu sais très bien que je rentre chez moi le week-end. Mais putain, mais... Un week-end dans l'année, ça va pas te tuer de rester. Vrai ou faux? Vrai. C'est une occasion en or, mec. Tu vois, ça se reproduit pas deux fois une soirée d'intégration. Début de l'année. Tu vas pas changer d'avis en juin et dire « Ah ouais, y a pas une soirée d'intégration bientôt ?» Non, y'en a qu'une. Quoi? Tu viens? Non. Putain. T'es vraiment un trou du cul, quoi. Tu m'énerves d'être timide comme ça. T'as qu'à venir jeudi. Tu viens jeudi, j'ai une petite soirée chez moi. Pépère. J'invite 10-15 personnes. Je l'invite aussi. Et voilà. Un petit peu d'ambiguïté au cours de la soirée. Non? Si tu viens pas, franchement, je vais commencer à me poser des questions sur notre amitié. Tu viens alors?
Oh là. Salut. Salut. Ça va bien? Oui, je vais continuer. Tu veux un verre d'or? Oui, je veux bien. Ouais. T'habites ici toi, à Paris? Ouais, toi aussi? Non, non, moi je viens de la campagne. Ok, et c'est pas trop chiant? Non, ça va. Je préfère la campagne à la ville. Non, c'est pas possible. Mais non, tu peux tout faire ici. Il y a toujours quelque chose à faire. Tu vas adorer. Tu voudras pas repartir. Ça, on verra ça. Ah, mais c'est tout vu. Et t'aimes bien les cours et tout? Non, pas vraiment. Tu veux faire quoi après? Du droit. Du droit? Et qu'est-ce que tu fais dans notre classe alors? Comme il y a une préparation à Sciences Po, et que la politique ça m'intéresse aussi... Non, ça c'est pas possible. La politique c'est pas intéressant. Ouais, sûrement pour un campagnard comme toi. Attends bien, tu fais des choses. Ouais, car... Ils étaient 20 et ils ont besoin de les défoncer pour leur prendre leur téléphone. C'est pas exactement passé comme ça, tu vois, c'est quand même un tout petit peu plus compliqué. En gros, ça a commencé plus tôt. Tu connais Rémi, tu connais le groupe, ils étaient bourrés quand ils sont partis de chez moi. J'ai envie d'attendre un peu, rien à foutre, ils sont arrivés dans le métro. Et sur le quai, ils ont commencé à faire les cons, ils ont commencé à faire les petits merdeux, à parler fort, à crier, tu vois. Ils sont rentrés dans la rame de métro et là, ils sont tombés nez à nez avec cette bande de racailles, cette bande de lascars. Les mecs étaient assis dans le métro, tu sais, partout comme ça, en mode, c'est chez nous ici, tu vois. Et voilà, c'était verbal, tu vois, tu peux te lever, il y a du monde, qu'est-ce que tu vas faire? Enfin, je sais pas, c'est... Mais c'était juste verbal, tu vois. Et bref, le métro s'est arrêté, les portes sont ouvertes. Rémi et Claire, je sais pas si tu vois qui c'est. Ouais, je vois. Et bah, eux, ils ont voulu faire les super-héros. La porte du métro se referme. Qu'est-ce qu'ils font? Bah, ils font deux gros doigts comme ça à travers la vitre. Genre, nous, on est sur le quai, super, tranquille, on est en sécurité, tu vois. Et bah, les mecs à l'intérieur, ils ont dit pas de problème. Tac, ils ont tiré la sonnette d'alarme. Ils ont ouvert la porte à plusieurs manuellement. Et là, ils ont sauté coup de pied, coup de poing. Et ça va? Ils sont allés à l'hôpital? Bah, ils sont allés aux urgences. Ils sont allés aux urgences. Ils ont des bleus, ils ont des hématomes. Ils sont surtout choqués, tu vois. C'est plutôt psychologique. Je pense qu'ils vont remettre du temps à s'en remettre. Ils font quand même les cons, quoi, tu vois. Ils font pas les cons, ils sont bourrés, c'est normal. Ouais, mais un peu de tenue, les mecs, ils ont provoqué. Y a pas un peu de tenue, c'est pas normal d'attaquer les gens à 20 contre 7, tu vas pas me dire que c'est normal. C'est pas normal. Attends, ils ont défoncé les filles, ils sont attaqués contre les filles. C'est pas normal, tu sais très bien que je suis de leur côté. Bah ouais, mais qu'est-ce que tu dis, y a pas de tenue. Mais tout n'est pas blanc ou noir, mais j'essaye un peu de... Non, mais j'essaye c'est n'importe quoi, peu... c'est n'importe... Mais c'est n'importe quoi. Je suis pas en train de justifier le fait que nos potes et les filles soient fait frapper. Mais j'espère bien que tu justifies pas. Je dis pas que c'est normal. Mais voilà, il y a quand même un petit côté provoquant, tu vois. Il y a quand même un petit truc. Vas-y, bref, ça me fait chier d'en parler là. Jack, ils m'ont cassé les couilles au téléphone tout à l'heure là. Ça me fait chier. Toi, avec Gwen alors. À quoi? Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Y'a rien. Je sais pas, vous avez discuté, ça a l'air sympa. Bah j'ai discuté comme je discutais avec toi, j'ai discuté... Ah bon? J'ai discuté quoi.
On a discuté rapidement, y'a rien. Rien. Bah, pas rien, vous avez passé je sais pas combien de temps dans la cuisine. On a discuté, c'est tout, y'a pas eu de. Bah, arrête, putain. Arrête, vraiment, j'ai rentré dans 20 minutes. T'es rentré avec elle. J'ai mon train. J'ai mon train. Ciao. Ouais. Je dois bouger. Tu me raconteras tout la prochaine fois. Ouais. T'inquiète pas, le café c'est pour moi, hein. Ouais, merci. Un café, deux cafés, tu sais, à Paris. Tu peux être 10 euros près, hein. Thank you.
Quelle branche du droit exactement ? En fait, j'aime bien les droits de l'homme et tout ce qui touche aux conditions des détenus. Enfin, j'aimerais bien être avocate pénaliste, en fait. Ben ça va, t'auras pas trop de boulot ici. Comment ça ? Bah, en France, c'est déjà pas mal sur ce plan-là. Non, on croit pas ça, il y a encore beaucoup de progrès à faire. En ce qui concerne les violences policières, tout ce qui est contrôle aux faciès. Violences policières ? Mais arrête, les flics, ils peuvent rien faire. Enfin, je sais pas, quand ils veulent arrêter un délinquant, c'est déjà hyper contrôlé, non ? Enfin, les criminels, faut les prendre avec des pincettes. Faut pas tout mélanger. Il y a des règles qui existent pour éviter que les flics puissent s'en prendre à n'importe qui, sous prétexte qu'ils ont un mauvais feeling ou une mauvaise impression. Tu vois, c'est un état de droit, ici. Et tant qu'on n'a pas prouvé que quelqu'un était coupable, il reste présumé innocent. Mais dans l'ensemble, les règles, elles surprotègent les délinquants. Mais pas du tout. Enfin, les règles, elles sont nécessaires. Elles existent aussi pour protéger des dérives, les gens comme toi et moi. Même les délinquants ont des droits. On peut pas les traiter n'importe comment, comme si c'était le Far West. Des fois, ça serait peut-être préférable. Non. Non, mais il y a un grand déséquilibre entre les gens normaux et les délinquants. Les mecs, ils se gaffent toute l'année, ils tapent sur les gens et à la moindre occasion où ça se passe mal pour eux, ils courent se protéger derrière la loi, tu vois. Ils veulent la jungle, mais ils veulent pas de prédateurs. Et la société leur assure qu'il y aura pas de prédateurs. Mais c'est un peu la vision de la masse populaire, tu vois. Enfin, je te dis pas que tout est parfait, mais ça a quand même été réfléchi plus de 5 minutes. Mmh. Alors, je comprends que ça puisse te paraître injuste à toi, selon ta sensibilité. Mais ça protège quand même pas mal de citoyens sur beaucoup de situations. Ouais, je sais. Là, je suis pas expert, hein. De toute façon, c'est juste que voilà, enfin, que des fois ça mène à des cas un peu bizarres, tu vois. Mmh. Putain, faut qu'on y aille, ça va commencer sans nous. Allez, c'est parti. Le bail.
On y va, tu sais, avec les gros sacs du foot, là. On arrive, on va à la soirée. On attend que tout le monde soit tous morts. On fait crever, on est mort et tout, nanani, nanana. Après, on est là, on peut t'as tout ce qu'on trouve. Des téléphones, des thunes, des sables. Et la vie de ma mère, même le week-end dernier, j'ai pété un micro-ondes, gros. Un micro-ondes, tu peux tout péter. Je te jure, tu peux tout péter. Bon, on vend des trucs après, ça se passe comment? Bah, la majorité des trucs, tu connais. Après, voilà. Tu connais, conso perso, tu vois. Ouais, tu connais. Bah, je connais, bye. Qu'est-ce qu'il y a? Quoi? Allô, les Parisiens! T'es pas habitué, hein? Ouais, attends, je peux pas, c'est pas possible. Regarde le matos. Location, frein qui marche pas. Regarde. Regarde le matos. C'est pas possible, je peux pas descendre ça, c'est impossible. Ah, le matériel. J'oubliais. Toujours le matériel. Allez, ma belle, on y va? Tracer tout le long. Bah vas-y. Allez, mais non, mais de toute façon, je vais te tracer et te rattraper. Je t'attendrai au lac. Bon, allez. Un peu de ça, les heures. J'arrive. Putain, mais j'hallucine. Le mec, il arrive à 2 à l'heure, il arrive pas à s'arrêter, il se fout au tas comme un loser, quoi. Je suis d'accord. M'en fous, hein. De toute façon, je voulais me baigner. Ah bah, quelle chance. Ah bah là, tu me rassures. Tiens, attrape. Tu viens ou t'as peur? Ah bah, vas-y. Allô, ma poule. Allez, tu vas où, là? Allô. Tu recules? Pourquoi tu recules? Allez, fraîche, hein. Allez, viens. J'ai un petit truc pour toi. C'est quoi?
Vas-y, prends. Un cadeau. Et pourquoi? Oh, c'est rien, c'est un petit truc. J'ai trouvé ça dans une boutique en Suisse, ça m'a fait penser à toi. Petite musique de Noël. Hein. C'est que je l'écoute souvent en plus. Je vais même tomber sur une version jouée par un orchestre. Trop stylé. Ouais, je sais, tu me l'as dit la dernière fois. Ouais. Putain, je radote. Merci beaucoup. Mais tiens. J'ai failli te rattraper tout à l'heure. Ouais, jamais de la vie. Toi, me rattraper, c'est déjà arrivé une fois. Ça dépend des sports. Ah, t'es facile là, tu fais ton vélo là, mais c'est pas un sport d'homme. C'est pas un sport d'homme. C'est pas un sport d'homme le vélo. Ouais. C'est pas un sport d'homme. On fait que d'homme. Ça depuis qu'on est né quoi. Et c'est pas un sport d'homme. C'est un sport de vacances, c'est un sport de loisir. C'est du patinage. C'est un sport de loisir, c'est pas du patinage. Le patinage, c'est un sport de filles. Le Tour de France, c'est quoi? C'est. Attends, un sport de filles. T'as pas le niveau du Tour de France, hein? Hein? Tu crois que t'as le niveau du Tour de France ou quoi? T'as pas le niveau du Tour de France du tout, mec. Bah, qui sait. Tu fais même pas le Tour du Lac. Mec. Hey! Coucou! Ça va? Ça va et toi? Ouais. T'as passé une bonne journée? Ouais, et toi? Ouais, je regarde une vidéo là. De quoi? L'agression du mec dans le bus. Tu l'as pas vu? Ah si, j'en ai entendu parler à la radio, mais non, je l'ai pas vu. Ouais, tout le monde en parle. Me dis pas qu'il fallait respecter ces mecs. Faudrait juste les choper et les exterminer un par un. Enfin, faudrait surtout leur donner une éducation, un boulot et une perspective d'avenir. Non. Faut rien leur donner du tout. Ils sont trop fiers d'être comme ça. N'importe quoi, quelle fierté. Ils ont rien à prouver, ils vivent dans la rue. C'est des durs, c'est tout. Enfin, tu les connais pas et tu les juges. J'ai un oncle qui a été militaire. Après le service, il a continué quelques années chez les parachutistes. Il était instructeur pour les nouvelles recrues. À l'époque, il recevait des groupes d'engagés volontaires. Et aussi des groupes de jeunes délinquants. Il était envoyé là en redressement. Pour leur trouver une voie. Chaque fois qu'il a eu en charge un groupe comme ça, les mecs, ils ont pas supporté l'entraînement. Les autres, les jeunes normaux, tout le monde endurait. Mais eux, là, les gosses de la rue, les durs, ils se mettaient à chialer. Ils demandaient qu'on les ramène en prison. Ils ont rien en eux. C'est des faibles. Il n'y en a aucun qui est trempé dans l'acier. Tous
ces mecs-là. Qui provoquent. Qui agressent les gens, qui les encerclent à 10 contre 1, tu vois. Qui parlent fort, qui détruisent tout. C'est des faibles. Et ils ont de la chance que l'homme soit civilisé. Parce que c'est la seule chose qui les maintienne en vie. Ils. Qui ça, ils? Ils pensent tous comme ci, font tous comme ça. Valent rien. Mais c'est des êtres humains. Avec des personnalités différentes. C'est pas une race à part. Ces mecs-là, ils vivent dans des environnements de merde. Ils traversent des moments super difficiles que tu connaîtras sûrement jamais. Si ça, c'est des êtres humains, qu'est-ce qu'on est, nous ? Bonjour monsieur. Bonjour madame. Je suis le lieutenant Philippe Leto, police judiciaire de Grenoble. Et voici le lieutenant Victor Audinger qui m'accompagne. Madame. Bonjour. C'est au sujet de votre fils aîné, Alexandre. Entrez. Pour l'instant, il est dans le coma, à l'hôpital de Grenoble. Tout est possible, hein, madame. Et vous devez comprendre que son état est critique. Ça, lieutenant. Pourquoi ? Il ne semble pas qu'il y ait de témoins directs de la scène, madame. Du moins pour l'instant. On continue de chercher. Mais d'autres éléments concordent. On pense à un groupe de jeunes qui l'auraient agressé quand il a gagné sa voiture. Assez tard. Après une soirée au bowling.
T'inquiète pas, c'est un dur à cuire. Je suis sûr qu'il va s'en sortir. Peut-être un petit peu amoché, ouais. Mais dans tous les cas, il sera plus beau gosse que toi. Allez, courage.
Tu me veux quoi, toi ?
pas. Oh, mais attends, stop. Elle passe au-dessus du bateau. Stop, stop, monte sur le bateau. Ah, je l'ai tué.